Dieu te dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Quand il dit, tu marches sur les serpents, sur les scorpions, ça veut dire que tu domines. Ça veut dire que tu es au-dessus. Ça veut dire que tu piétines. Tu négocies pas avec les serpents. Tu négocies pas avec les scorpions. Est-ce que David a négocié avec Goliath? Non. Tu dois refuser cette maladie. Tu dois refuser cette peur. Tu dois continuer à prier et aussi à montrer que tu domines, à montrer que tu n'es pas n'importe qui, que tu es un enfant de Dieu, que tu as un esprit supérieur. Tu as l'esprit supérieur, oui, cet esprit qui a vaincu l'ennemi. Alléluia, la croix de Golgotha. Donc tu as cet esprit de Dieu en toi. L'esprit de Dieu qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors mon frère, ma sœur, domine, domine, domine. Refuse cette peur, refuse cette maladie, refuse cette douleur, refuse cette situation et prends autorité. Et tu vas voir, l'ennemi va fuir. Alléluia, que Dieu te bénisse.